Allez, salut à tous, c'est Mister66, on se retrouve pour un nouvel épisode de Feed the Beast. Et aujourd'hui, quelques nouveautés, donc comme d'habitude. Tout d'abord, une amélioration de ma nano suite avec mon Advanced Nano Chestplate. Alors, je vous montre comment on craft ça, c'est juste une amélioration de celui qu'on avait vu dans un épisode assez lointain. Donc, tout ça vous savez faire sauf ceci, mais après c'est que des crafts, donc ceci vous savez faire et ensuite ça c'est faisable. Juste les blocs, je crois que voilà, c'est dans le compresseur, faites attention, c'est pas des blocs comme des blocs de fer. Et sinon, attendez, après rien de bien difficile, juste peut-être ça, même pas, vous voyez, c'est que des barrières, ça c'est le Minecraft de base. Et sinon et puis l'électrique jetpack, on a vu. Et ensuite, ça marche comme une quantum suite qu'on verra après, comme Dave est habillé. Bon, là, il est pas habillé. Ok. Bon, alors. Eh ben non. Ok. Ouais, donc lui, normalement, il a une quantum suite avec laquelle il peut voler. Oh, le petit troll. Et donc c'est pareil, vous voyez, voilà, il est en blanc, nous on est en noir. Et juste un appui sur F, vous activez, vous désactivez, sans problème. Donc je désactive pour l'instant. Donc aujourd'hui, sinon, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir essentiellement les choses, la suite de notre let's play en solo. Donc tout d'abord, bah, quelques changements, vous voyez. Donc, il n'y a plus ma salle des coffres. Je sais pas si vous l'avez déjà filmé, mais en tout cas, j'ai tout enlevé. Et ces portes-là, vous le verrez dans la suite de l'épisode. Normalement, où je vais aller dans le Twilight Forest. Ou la Twilight Forest, comme vous voulez. Et j'ai récupéré ça, vous verrez par la suite. Même si j'ai bien lagué et j'ai bien crashé au moins 2-3 fois. Donc, vous verrez que la vidéo n'est pas super puisque ça va être coupé plusieurs fois. Donc ceci, c'est juste un recycleur automatique, donc toute la cobble est censée revenir là, descendre dans le recycleur, dans une auto-crafting table et ressortir en scrap box. Donc ça, j'en ai pas mal. Et sinon, bah, j'ai 4 MFS supplin, donc c'est franchement le top. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça, donc juste petit détail, ceci, ce sont des lampes, des world lamps. Donc vous savez comment faire le Dark Iron, je vous avais expliqué, et également ça, je vous avais expliqué, donc c'est assez cher en briquet, mais voilà. Sinon, petit détail, j'ai ceci, un ME Terminal, c'est un gros coffre qui peut tout reprendre. Je vous expliquerai ça dans le prochain épisode, puisque ça concernera les Apply Energistic. Donc aujourd'hui, on va se concentrer pour l'instant sur la matter fabricator qui va nous servir à faire de l'U matter pour faire de l'iridium. Donc il nous faut tout ceci. Donc pour les 4, il nous faut donc 4 iridium. Donc vous avez appris comment faire ceci, les iridium plates. Les tungsten plates, il faut donc être une partie en rose de l'instrument blasterné, minimum 2500 pour faire cuire la poudre de tungsten. La poudre de tungsten, il faut en avoir 2, donc c'est pas trop coûteux. Et par contre, 4 iridium, ça coûte pas mal. Et mais bah, ça, par contre, ça nous crée directement les 4 qu'on a besoin. Donc vous voyez comme ceci. Ensuite, il nous faut celui du milieu. Donc par contre, ça coûte pas mal cher en lapotron et de nouveau en 4 iridium. Mais sinon, ça va. Donc on prend également. Ensuite, il nous faut les deux téléporteurs. Donc, tout ça, vous savez faire sauf ceci. Mais regardez, c'est le craft, je crois, le plus facile niveau mode qu'il y a sur ce serveur. Non, j'ai pas pris. Alors, tac, deux téléporteurs. Hop, hop, voilà. Et ensuite, on met le craft en entier pour avoir notre matter fabricator et on aura notre iridium un peu à l'infini puisqu'il nous faut 7 matter 7 humateur pour avoir un iridium. Donc apprendre quelques strap box, c'est ce qui va le mieux dans l'humateur. Donc vous avez
expliqué la première utilité de la Scrapbox, comme quoi ça c'est des objets un peu aléatoires, mais là je vais l'utiliser dans la Matter Fabricator. Donc la Matter Fabricator, il faut beaucoup d'énergie, mais vraiment beaucoup. Le problème c'est que on n'a pas encore les panneaux solaires très avancés, c'est pour ça qu'on en a besoin également. J'ai pu en faire un car Dave a été très gentil de m'en faire un. Donc vous voyez que dans les nouveaux panneaux solaires avancés, il nous en faut deux. Je crois pour ceci. Attendez, tac. Non, c'est pas pour ça. Donc non, c'est pas bon. Il en faut deux. Je vous montrerai ça dès qu'on aura notre Matter Fabricator. Mais c'est pour ça qu'on va le prendre quand même pour la Matter Fabricator. Sinon, elle va jamais tourner. Si j'arrive à la récupérer, attendez, on va casser par le côté. Donc vous voyez que j'ai pas mal de panneaux solaires à cause de cette mise à jour et qu'on peut plus, on peut plus avoir des panneaux solaires facilement. Oh, mince, j'ai un peu trop cassé. Donc, j'en ai préparé 4 avec moi, donc on va juste en reposer 3, hop, à la place de l'Advanced. J'aurai un peu moins d'énergie, mais c'est pas grave. On repose la terre, hop. Donc, la humateur prend jusqu'à du 1280. Non, elle prend jusqu'à l'énergie maximale par tick, donc je crois que c'est 2000 et quelques. Mais pour l'instant on n'a pas ça, donc on va lui servir juste avec des solar panels et également des fibres vertes. Ça va également très bien si vous voulez faire on peut la mettre à l'intérieur comme dans ma salle des machines, où puisque les fibres de verre peuvent tenir je crois jusqu'à 1280 EU par tick. Par contre après il faudra se faire des câbles des HV câbles, voilà, j'ai un doute, ouais, voilà, HV câbles qui sortiront d'un stockage plus gros, donc avec une sortie plus grosse. Voilà, donc on va juste simplement, c'est vraiment pas compliqué, hein. Vous savez que l'énergie de panneau solaire sort de tous les côtés, donc on va juste simplement nourrir la matière par 4 panneaux solaires comme ceci. Hop, et ensuite, donc là ça va monter très doucement. Donc là c'est l'énergie qui monte. Normalement vous verrez une barre bleue. Pour l'instant elle n'est pas encore là puisqu'il fait déjà pas jour. Donc on va juste demander à Dave, Dodo, s'il te plaît, pour tourner ma matter. Donc ouais, je suis le dernier à me la... Non, il y a, je crois, Benoît Fond qui l'a pas encore. Après Max c'est le plus avancé, mais Dave vient de la faire. Ok, il est au dodo. Ok, c'est parti, on va dormir. Hop, donc vous voyez quelques modifications dans les pièces de ma maison. Mais pas encore remplies, donc je commence vraiment à commencer à la décorer. Puisque je suis un peu full en énergie et je devais absolument tourner. Mais ces temps-ci, j'ai été pris un peu par le nouveau jeu Cube World, donc je pense que vous connaissez tous. Enfin, peut-être pas. Pas de PB. Vous connaissez tous, donc j'étais un peu occupé, donc j'ai pas eu le temps trop de sortir de vidéos. Donc voilà. Dès que ça arrive à 100%, c'est. Ça vous donne une humateur, donc vous voyez que ça va être vraiment long. Je vais attendre pas mal de temps avant de pouvoir les avoir. Et je vous retrouve après. Donc je pense dans le même épisode pour se crafter la Quantum Suite. Allez, bye bye et profitez bien normalement de Twilight Forest. Normalement, il devrait être à la suite de ce que vous venez de voir maintenant. Allez, ciao ciao! Et salut à tous, on se retrouve en compagnie de Caillou, ici présent, et de Benoît à ma droite. Bonjour. Aïe. Donc, comme je l'avais dit précédemment, on se retrouve pour notre petit épisode 2, Twilight Forest, l'event de l'épisode 10. Donc, on va direct aller dans le spawn pour aller faire notre portail. Allez. Direct. Ouais, bah oui. Alors, je vous montre. C'est tout simple. Il faut de la dirt. Ah, il faut un seau d'eau. Quelqu'un a un seau d'eau? Non, je peux te faire la dirt. Non, mais c'est bon, c'est bon.
Ok. Comme ça, je prépare Pas de pendant ce temps-là. problème. Tout autour, il faut mettre des fleurs. Du, 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 du. N'importe quelle fleur, des herbes, tout ce que tu veux. Un seul pseudo ou plusieurs? Deux. Quoique, un, ça suffit. Et un diamant aussi, si tu peux. Ouais. Ah bah ouais. Ah, tellement. Donc, comme vous voyez, j'ai préparé du stuff juste pour ça. Ça, on va le jeter, j'ai pas besoin de fleurs et de dirt et de cobble. Il y a tout ça. Y a un lac vers où on est. Il y a la mer. J'arrive. T'inquiète. T'as craché? Non, mais j'ai eu un bug. Ah, tu Bizarre. décoches juste Rocco? Ok. Y a tout ce qui est dedans. Ah oui, là j'ai cliqué sur mon livre, elle a disparu, j'ai pas su pourquoi. C'est genre le bug, what the fuck? Où est passé mon livre? Elle était ni dans mon stuff, ni par terre, ni sur le stock. Enfin, le pédestal. Oh! Wow. Ouais, tiens, les diamants. Garde mon armure pour les mobs de là-bas. Ah ouais, j'avoue, le décharge pas. Ça va être dangereux. Il y aura du sang. Allez, prends de l'eau. C'est bon? Ouais. Allez, fais-nous une source infinie dans le petit trou que j'avais mis là. Toi, t'as foutu du feu partout maintenant. Oh merde, j'ai pas pris mon gravigun. Je reviens. Oups. Et je suis plus puissant. Hein. Moi, je peux faire des grands sauts et bientôt je pourrai voler. On n'a pas besoin d'une grande armure pour être fort. C'est bon, vous êtes prêts? Alors, reculez-vous. Ha ha! Ça génère le monde, On est une secte. Ça génère le monde. Et au fait, au passage, pour ceux qui voient dans mon écran, on voit mon gravigun bleu qui a été changé parce que la foudre l'a superchargé. Donc ça fait qu'il est passé en superchargé. Non, t'as pas crashé. Ah bon? Et il fait nuit. Ouais, il fait tout le temps nuit dans la toilette au début. Ah non, en fait, c'est juste qu'on est coincé dans. Oh putain, je suis retombé dedans. Oh, attendez. Oh. Ouais. Enfin non, c'est pas normal qu'on spawn dans une forêt dense, mais c'est un biome normal. Tiens, c'est par là qu'il faut rentrer. Sors par le haut. Il y a des insectes contre les arbres pour ramasser. Benoît, reviens à nous rejoindre. Ouais. Là, t'inquiète, on a mis une bite géante, tu vas voir. Là, là. Viens là où on est, je suis juste au-dessus du trou. Regarde ça. Oh non, par contre, mets pas des criquets parce que ça fait un bug avec les serveurs. Le son, il est dessus. On peut, genre, tu peux casser le criquet. Il faut redémarrer le serveur pour piquer le bruit. Bon, viens, vous me suivez? Par là. Ouais, je sais. J'ai trouvé un truc sympa, donc. Attends, c'est qui court le plus lentement de vous deux? Tiens, On a encore la même vitesse. c'est Caillou. Attends, je sais plus où c'est. Ah oui, c'est là. Tiens, tu vois ça? Est-ce que je peux avoir une tête de cerf avec Vorpal? Ouais, c'est pour ça. Venez ici, viens ici, Benoît. Ah, mais c'est comme des vaches, les cerfs. Alors, on va dans l'entrée, on va faire le labyrinthe sans tricher. Oh bah j'ai trouvé un spawner d'araignée. Oh putain, il y a des loups en colère par contre, faites gaffe. Non, non, je le casse le spawner d'araignée.
Lui, il casse des coffres directs. Oh, l'araignée. Bon, on te laisse mourir, Sylvain. Avec un squelette qui m'empoisonne. Ah, ils font mal, les zombies paysans. Oula! J'ai eu des torches berries. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Je prends mes pommes d'or parce que je me fais souvent empoisonner, en fait. Ouais. Bon, voilà, on a trouvé une petite maison avec un puits, avec un méchant spawner à squelette, je sais pas quoi. C'est quoi ces éléphants? C'est juste pour vous montrer ce qu'on a pu trouver et je vous reprendrai après pour d'autres choses qu'on va pouvoir découvrir. A plus. Et voilà, donc on se retrouve devant un putain de truc. Donc on va aller voir ça. Je pense qu'on va pas avoir le temps de visiter ça tout de suite. On va juste rentrer vite fait dedans et puis je le visiterai soit tout seul dans le prochain épisode, soit avec eux s'ils sont là. Donc moi je vois à peine le truc par un trou en haut. Moi je vois que le truc qui vient d'apparaître. Non, ça se rentre par en bas. Alors je vois qu'il y a des espèces de caisses. Donc il y a une entrée en bas. C'est un château à l'envers, c'est ça? Parce que moi je viens de l'apparaître. Hein. Il vient d'apparaître. Ouais. Normalement il y a une entrée en bas, faut juste la trouver. Est-ce que tu sais ce que c'est ces pulsions rouges là, de redstone un peu? Non, je sais pas, c'est chelou. Il y a des étapes à faire hein, normalement, mais comme on peut voler, venez on va descendre. Je pense que l'entrée est sous le... Attendez, moi j'arrive pas à courir vite là. Ouais, elle est là l'entrée. Alors ça, c'est une porte spéciale. Faut qu'ils viennent, Caillou. Tu fais un clic droit et ça s'ouvre. Attends, laisse-la se refermer. Ah oui, je me rappelle. Tu fais un clic droit et tout s'ouvre. Alors je vais juste prendre plein de torches parce que c'est grave sombre dedans. Ouais, moi j'en ai pas trop en fait. J'espère que ça Moi j'en ai là. Voilà. Donc voilà, il faut. Moi je vais peut-être récupérer des portes, mais plus tard tout ça. Alors attendez, là on a les trucs de la zone. Ah, mais celle-là se referme pas. Bah non, t'as mis une torche dessus. Pourquoi le château est à l'envers, mais le mobilier est à l'endroit? Alors je sais pas comment on monte. Ah, si, il y a des escaliers là. Oula. Il y a plein de petits trucs de redstone qui bougent partout. C'est quoi ça? Je sais pas. À mon avis, il y a pas mal de pièges. C'est un labyrinthe. On est bloqué. Et on triche pas, on triche pas avec le jetpack, Benoît, ok? Comment on passe? Y a pas de moyen là. Je crois qu'il faut casser, hein. J'ai pas le choix. Non. Faut cliquer sur les blocs. Si y a ça, c'est pas pour rien. Je sais pas, faut faire un truc avec les blocs. Mais faut faire quoi? Faut appuyer dans le bon ordre. Aïe, c'est pas en appuyant sur moi, ça va marcher en tout cas. Peut-être qu'il faut les suivre. Là il y en a un. Vous savez que les gars, y'a pas de sortie en fait. Hein. Venez de l'autre côté, y'a pas de sortie. Oh, j'ai cassé, regarde ce qui s'est passé. Wow! Regarde. Y'a des blocs qui se mettent à la place. Mais oui, c'est quoi ce bordel? On peut pas casser, faut passer par là. Venez les gars. Ah là en dessous. Wow. Ah non, si on était avant. Wow. Oh les gars, y'a un golem. Oh mon dieu. C'est écrit VIP dessus. Non. Oh, je l'ai one shot. Vous êtes du passé où? Par en haut, venez. Là. Où? Il y avait un golem. Ah, en fait, faut les casser les blocs comme ça. Ils réapparaissent, je crois. Il y avait un golem qui m'est tombé sur la gueule. Mais regarde, comment tu veux faire ce truc? Ah, c'est un truc de parcours. Ah, là, il faut sauter. Faut voler plutôt. Attendez, faut alimenter en redstone. Tu vois? À chaque fois que tu passes, t'alimentes. Oh, ça fait un pont. Non, mais pas chez nous en fait. Putain, ça a pas fait de pont. Eh, hey, ça fait un pont. Bah oui. Et je fais quoi quand je suis là? Là? Non, arrête. Pourquoi ça s'enlève? Bon, pour moi en tout cas, je vous reprends dès qu'on va retrouver le truc final. Allez. Ah, moi j'ai le pont là. Bon voilà, on se retrouve à la fin du donjon. Pour vous laisser un peu découvrir par vous-même également. Puisqu'on n'a pas trouvé de boss dans celui-là, quelques mobs différents comme des araignées, des ghasts,
quelques petits des petits trésors ou je sais pas ce que ça peut être. Il y a quelques petits trucs sympas à découvrir, donc je vous laisse découvrir. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres choses dans le monde, enfin, si ce n'est que des nouveaux meubles, des nouveaux bois, etc. etc. Donc j'espère que cette partie dans Twilight Forest vous a plu et l'épisode aussi. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao.